Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4, donc de The Forest. Et comme vous pouvez le voir, j'ai simplement fini de construire les passerelles qu'on avait fait ensemble. J'ai rajouté quelques pièges. Et franchement, les pièges, les mecs, c'est la vie. Les filles aussi. Franchement, à tous, les pièges. Mais grâce à ça, ça vous facilite la... Ça vous facilite. Ça vous facilite. Ouais, enfin, on s'en fout, ça vous facilite la vie. Voilà. Car, vous voyez, ils sont placés à des endroits très stratégiques. C'est toujours par là qu'ils rentrent. À droite, ils rentrent pratiquement jamais. C'est pour ça que j'ai rien mis. C'est pratiquement pour moi, enfin que pour moi, c'est cette entrée. Et eux, ils passent vraiment très souvent ici, donc c'est très utile ces pièges. Voilà. Donc j'en ai mis 3, comme vous pouvez le voir. Et j'ai fait aussi une assez grande réserve de bois pour qu'aujourd'hui, on puisse avancer ensemble assez facilement sans que j'aille couper du bois. Comme ça, on pourra faire un petit live. Et ça sera assez rapide, donc vous perdrez pas trop de temps. Voilà. Donc du coup, on va prendre la hachette. Donc ça va, j'ai faim, j'ai de la nourriture. Attendez, on va voir ce que j'ai dans mon sac. J'ai 200 feuilles. Bon, je suis paré pour la grande aventure. Donc on va commencer la passerelle ici et on continuera celle d'après. J'ai un projet très important à vous dire que j'aimerais bien faire sur The Forest. Ça serait de construire un pont. Alors un pont, ça voudrait dire de faire un pont. Donc c'est très simple. Par exemple, là, vous voyez à ça. Donc ce que je voudrais faire, c'est ici, par exemple, là, je mets un autre escalier. Et en continuant la passerelle plus loin, je pourrais mettre un niveau plus haut et ainsi de suite. Et en faisant ça, au bout d'un moment, tu arriverais à une hauteur, à mon avis, vertigineuse. Bon, ça, par contre, ça prendrait énormément de bois. Bon, c'est pas ce qui manque, mais ils sont de plus en plus loin. Donc pour l'instant, la nécessité sont de surtout finir la passerelle. Voilà, pour avoir un point de vue assez important. Donc on va aller sur B, on va faire les plans, et puis ensuite on va pouvoir construire. Donc on va aller sur celle-là, comme ça. Donc on va faire tourner comme ceci. On va la placer. Voilà, parfait. Donc on la place. J'entends les bruits. Voilà, on va en mettre une autre juste à côté. C'est certainement mes bruits en fait, hein. Faut pas commencer à stresser pour rien. Voilà, donc on va la mettre ici. Attendez, faut juste pas que ça rentre dans l'autre en fait. Voilà, comme ça, c'est parfait. Comme ça. Tac, j'espère que ça va pas dehors. Ah, c'est pile poil, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir les construire. Donc j'ai les brindilles, donc on peut remettre les brindilles. Voilà. Je sais pas si j'en aurais 10. Normalement, on peut... ouais, voilà, on peut en avoir que 8 maximum. Donc, je vais aller chercher les rondins. Vous allez voir, j'ai fait quand même une importante réserve. Donc, on met l'arme droit pour la mettre en position de. Ouais, donc, il y a personne. Ils m'ont fait tout de même de grosses attaques hein, pendant que j'ai réuni les bouts de bois là. J'avais pas filmé ça, vous avez vu. Donc, j'ai mis 3 petits bacs et ils sont chacun remplis de 7 bouts de bois. Donc, c'est pas mal. Et vu que ça sauvegarde maintenant, bah, c'est super pratique. Plus besoin de courir là-bas pour courir du bois. Comme ça on le fait ensemble, j'ai plus qu'à le prendre et à le mettre. On avance vite. Bon, c'est sûr que j'en aurai pas à l'infini. Donc voilà. Voilà. En sachant qu'il faut que 5 bouts de bois pour une passerelle, ça revient très bien. Ça fait un bon rapport. Donc ce que je peux faire autrement, c'est dès que j'ai plus de bois, je coupe la vidéo, je vais en prendre et ensuite on reprend exactement où on en était. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça pourrait être pas mal au lieu de vous couper le moment où je construis, que je coupe simplement le moment où je prends le bois et je le mets dans la cage ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on va continuer. Allez. Voilà, donc là il m'en manque plus qu'un. Ensuite, par contre, les brindilles, il faut que j'aille en chercher. Parce que les brindilles, il n'y a pas de bac à brindilles. Ce qui est plutôt dommage. Ça serait bien si je pourrais mettre des brindilles là-dedans. Mais je pense pas. Enfin, on peut pas en fait. Ce serait une bonne idée ouais, pour le futur. Voilà, donc après on va faire l'escalier. J'ai assez de gros rondins pour tout faire normalement. Ce qui va juste manquer de brindilles, comme je viens de vous le dire. Ah, j'ai pas fini l'autre. On regarde toujours un petit coup, hein. On sait jamais. Des fois ils arrivent et en fait la meilleure des solutions n'étant pas de les attaquer parce que je sais que je vais tous les battre, c'est trop facile. Non, la meilleure solution c'est simplement de se cacher, par exemple dans la forêt, pas dans son camp parce que c'est là qu'ils vont venir voir. Et ensuite bah, vous attendez qu'ils partent et vous revenez et tout va bien. Ils viennent pas, dans la forêt ils vous trouvent pas sauf si vous commencez à couper des arbres et à courir partout comme un con. Faut s'accroupir tout simplement et attendre qu'ils passent. Sauf si après c'est une embuscade, bon là c'est rare mais si ça arrive oui, il vaut mieux se barrer en courant dans votre cabane et allumer tous les feux. Et autrement, en temps normal, vous allez simplement à vous cacher. Si ça m'arrive, je vais vous montrer, hein. Et on peut vraiment les éviter facilement, sans trop de problèmes. Voilà, tout simplement. Voilà. Ah, il m'en reste un. Et lui, c'est pour ici. Ah non, il m'en reste un. Voilà, parfait. Donc maintenant, il manque plus qu'ici des brindilles. Normalement, il manque 3 brindilles. Donc on va aller en chercher le maximum qu'on peut. Donc ça, on peut faire un petit live. Donc on y go. Les brindilles, c'est aussi facile. Pas besoin de les prendre par terre. Vous trouvez des sortes de petits arbustes. Ou la petits arbustes bizarres, hein. Je vais vous montrer un peu. Il y en a qui sont buggés, donc faut pas les taper dedans, ça sert à rien. Par exemple celui-là. Voilà. Donc là vous arrivez, donnez 2 coups normalement. Voilà, en 2 coups, et voilà, vous en avez 2 à chaque fois.
pour en avoir 8 maximum dans son inventaire. Donc ça va assez vite. Il y en a par terre, c'est parfait. Même pas besoin de couper du bois. Là il y en avait un, non? Voilà. Bon, c'est un caillou, c'est toujours utile le caillou, vous allez me dire. On va couper celui-là. Vous avez vu, des fois il y en a deux à côté, il y en a un qui disparaît à chaque fois. Voilà. Toi. Je pense que je suis au max. Voilà, 8. 8 c'est le maximum, donc on va pas en couper plus, ça sert à rien. Comment ça va se retrouver par terre? Toujours un petit regard gauche-droite. Enfin moi c'est gauche-droite, après vous. Ils arrivent jamais par en face, hein, j'ai remarqué. Ils arrivent toujours par la gauche et la droite. Donc bah du coup voilà, c'est pas très compliqué hein, à surveiller. Donc les pièges ne se déclenchent pas pour nous, c'est. Voilà, donc c'est bon, on a nos deux. Donc on peut monter dessus sur les escaliers. Hein. Là c'est pour faire un double jump. Ouais, voilà. Voilà, donc on est dessus. On a une belle vue. Si on voit pas, on n'a plus qu'à sauter. Et voilà, je suis assez content. Donc on va faire un escalier, puis après tout sera bien. Donc les escaliers, il y a un problème de niveau, comme vous pouvez voir. Donc peut-être un bug de ma part. Ouais, c'est ça, c'est un bug, parce que vu, il y en a une qui est sous la terre. Donc moi je suis obligé d'aller là et de faire un petit saut ici pour pouvoir passer. Voilà. Donc en faisant un petit saut, je passe. Bon, faut pas oublier parce qu'autrement, si j'essaie de passer sans faire le petit saut, je reste bloqué. Et après, même en faisant des sauts, ça marche pas. Donc ouais, c'est quand même une habitude à avoir, mais bon. Pourtant, je l'ai placé correctement. Il y a eu un petit bug du jeu, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va me pourrir ma partie. Hein. Voilà, donc on va le placer, lui. On va essayer de bien le placer celui-là. Il est mal placé, il faut que je refasse un tour, faut qu'il soit bien droit. Faut peut-être qu'il y ait un jour entre. Voilà, parfait. On recule un petit peu. Non, là il était bien. Là il est dedans, vous voyez, quand on voit de la masse à l'intérieur comme ça, là c'est pas bon, là c'est parfait. On le met ici, on va chercher du bois, on construit, on aura notre deuxième petite passerelle. Le pont, je sais pas si je vais le faire dans cette partie ou après la mise à jour. Je sais pas encore, mais si l'idée vous plaît, mettez-le dans les commentaires, je sais pas, faites quelque chose. Même si j'ai aucun commentaire pour toutes mes vidéos, je sais pas, pour ceux que ça intéresse. Ça pourrait être intéressant. Plus tard. Tac. Il n'y a pas besoin de brindilles, il me semble, pour les gros comme ça, c'est parfait. Bon, ils ont pas décidé de venir m'embêter, c'est parfait, là, je suis tranquille. Donc là, vous voyez, il me reste encore pas mal de bois. Peut-être assez pour faire une autre passerelle, en plus, on verra bien. Je suis déjà fatigué. Oh là là, qu'est-ce que ta vie est dure. Parce que des fois ils vous attaquent mais en mode lâche. C'est-à-dire que vous êtes tranquille en train de faire quelque chose et d'un coup vous vous retournez, ils sont derrière vous. Alors c'est là que vous comprenez pas trop ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut sauvegarder régulièrement. Le problème de sauvegarde c'est que quand vous sauvegardez après il fait nuit. Donc ça vous pourrit votre journée même si vous n'avez pas fait ce que vous voulez, tout ce que vous vouliez faire. Donc au pire on aura une petite baston, ça peut être sympa. C'est tellement facile de les tuer maintenant. Putain, regardez, il y a encore un jour. En fait c'est un bug d'escalier, c'est plus simple. Et là en plus c'est un bête de trou. Est-ce que je peux tomber dedans? Donc là je suis complètement bloqué. On va essayer quand même d'y aller. Super. L'escalier qui ne sert totalement à rien. Super. C'est juste pour le style. Hein. Parce que dans tous les cas, si je veux monter, je dois galérer comme un con. Non mais ils sont pas sérieux là. Il n'y aurait pas eu de jour, j'aurais pu passer. Ah ok, non, non, même en sprintant. Ah voilà, donc ok, donc en fait il faut aller vers la droite quand j'y vais, donc par exemple comme ceci. Voilà, parfait, donc j'ai trouvé la technique, super, mes deux escaliers marchent. Avec un peu de difficulté, mais ils marchent. Donc on va faire une autre passerelle ici. Je sais pas si c'est utile, hein, parce que vous voyez là, je comme déjà, je vois pas mal, hein, après d'en faire un peu plus loin. Si je veux monter d'un niveau au-dessus, c'est ce que j'aurais aimé faire, donc c'est ce qu'on va faire. Donc la prochaine je vais la faire ici, je vais faire un escalier. Donc regarde ce que je vais faire. Là je vais faire un escalier ici. Et ensuite, enfin regardez, en gros je vais vous faire au lieu de parler. Donc là on va faire un nouveau. Ça risque d'être assez. Ça va être une sorte de pont, mais sauf qu'il va pas être fait entièrement. Donc ça peut être un pont en fin de compte. Ok, donc là il rentre dans le mur. Là il est bon. Comme ceci. Voilà, parfait. Donc on va construire. On va chercher du bois, il nous faut des brindilles. Normalement je n'ai plus assez. Ah, il m'en manque une seule. Ah non, 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 c'est bon. Oh, j'en avais assez, parfait. C'est bon, ils sont pas là. On va pouvoir aller chercher du bois. Le pire, c'est que ça serait qu'ils m'attendent ici, là. À côté du truc de bois, genre en mode... bah alors, on t'attend. C'est trop marrant. Et j'ai la preuve que c'est des sans-easy. Dans l'épisode 1, il me semble, je suis tombé sur un. Il avait rien pour cacher. Enfin, logique, en même temps, à quoi ça sert d'avoir quelque chose, vu qu'il n'y a rien. Et il avait vraiment rien. Et ça m'a choqué à mort. J'étais mort de rire.
D'ailleurs, ça, vous avez dû entendre, parce que quand je rigole, le micro, il vous entend des pfff comme ça, enfin des bruits assez bizarres. Du coup, j'ai dû me contrôler. Malheureusement, je l'ai vu au montage, donc voilà. C'est un peu con. Ah, voilà, je suis là. Parfait, c'est pas beau ça? Regardez, donc là, on monte avec un peu de difficulté. Là, on arrive là, ok, donc il y a un petit jour, c'est pas grave. Et là, en fait, c'est ici qu'on va mettre l'escalier. Donc, regardez, si, normalement, on peut le faire. Hein. Il me semble qu'on peut le faire. Donc, on va se mettre là. On peut mettre un escalier sur. Donc, on va faire B. On va faire ça. Ah non. Ah, on peut pas. Donc, là, c'est foutu. Mon idée tombe à l'eau. Super. Ah merde, on peut pas. Non, c'est chiant ça. Parce que je voulais pouvoir mettre l'escalier au-dessus de façon à refaire après une rampe. Donc, en fait, non, l'idée du pont est morte. Donc, laissez tomber les commentaires. ouais, c'est foutu. Putain, ça se. Est-ce que je peux le mettre genre en bug? Attendez, on va essayer un truc. Parce que normalement, je peux faire des murs, enfin des toits. Il me semble que c'est en bug, donc ça me saoule un peu, normalement. Ok, ça bug, c'est mort. Donc on va abandonner l'idée. Donc du coup, bah, on a une troisième passerelle. Vous allez dire, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. On pourrait en faire une autre ici. Hein. Ouais, pour que ça fasse vraiment fortification, pas mal. Donc on va mettre une autre ici. On fait B. On fait ça. Et là, ose bien la caler. Comme ce... comme ça. Bon, on va mettre là, voilà, parfait. Ah, moi... Oh, faut que j'aille rechercher. Donc là, il pleut, et donc si j'allume mes feux, ça va être la grosse merde s'ils arrivent. Vu qu'ils vont s'éteindre sans arrêt. Mais ils ont pas l'air de venir, donc on va chercher du bois. Ah, je peux plus courir, merde. Putain, merde, je crève la dalle. Attendez, on va faire un truc à bouffer. Donc vite, allez, go. Mais il peut même plus courir, du coup. C'est intelligent, hein. J'ai pas envie que les... Vous savez, les ceux avec plein de bras, là, qui sont assez robustes, j'ai pas envie qu'ils viennent à mon camp. Parce qu'à à ce qui paraît, ils peuvent tout détruire. Ce qui me saoulerait assez, parce que j'ai passé tellement de temps à tout faire. Donc au pire, je ferai une réserve de bois en prévision qu'ils viennent me faire chier. Donc on va prendre les lézards parce que je garde toujours un lapin parce que les lézards sont beaucoup plus durs. Non, les lapins sont plus durs à avoir que les lézards je trouve. Du coup je préfère faire cuire un lézard à chaque fois. Les lézards ils bougent pas, ils sont tout lents alors que les lapins ils font des petits bonds, c'est chiant à attraper. Et vu qu'on peut pas avoir plusieurs du même truc, ça c'est vraiment con. Hein. Franchement les mecs faut changer, ça me saoule un peu donc du coup bah voilà. On va faire cuire plus vite. On a un stock de feuilles juste énorme donc on s'en bat les couilles. J'ai peur qu'ils voient le feu. Normalement ils devraient pas le voir vu que... mais bon. On sait jamais. Allez dépêche, on va mettre plein de feuilles à la suite. Ah voilà merde, ah c'est bon je vais manger hein. Voilà c'est bon, parfait. On y go. Alors maintenant il nous faut des brindilles. Donc on va les cueillir les brindilles maintenant. Attendez j'approche un petit peu du micro. Voilà. Donc on va les cueillir les brindilles maintenant. Cœur augmenté. Ah merde ils sont là. Vous avez vu? Est-ce qu'on fait une petite baston ou pas? Ça vous dit une petite baston de méchant là? Bon je pense qu'on a le temps parce qu'ils sont en train de prier ou je sais pas quoi. Toujours jeter un oeil sur eux parce qu'elle part du temps. Voilà. Vous avez vu ou pas? Ils ont tous disparu. Ah non ils sont là, putain, c'est quoi ce délire? Ah ils sont là, putain, ils sont pas, juste que la qualité n'est pas bonne. Du coup, eh ben, je les vois pas quand ils sont loin. Et ça, ça pète les couilles à mort. On va prendre ça. Si on veut chasser des lézards, il nous faut de la boue. De la boue pour lézards. Enfin, vous voyez, genre pour se camoufler. Il me semble que c'est pour se camoufler, donc je la mets. Allez, toi. Ok, donc là, l'arbre est juste trop bugué. Je tape dedans, il n'y a rien qui se passe. Ok, il n'est pas décidé à se casser. Ah, voilà, parfait. Tac. Ok, une pierre. Non, c'est ça que je voulais. Ok, lui aussi est bugué. Super. La moitié des trucs qui sont buggés. Ah, lui, il n'est pas bugué. Parfait pour moi. On va prendre le stock max. Comme ça, on en aura en réserve. J'ai pas envie qu'il vienne m'attaquer maintenant parce que j'ai un sauvegardé. Donc au pire, là, on va sauvegarder après, une fois qu'on aura fait le truc. Comme ça, après, il sera à la nuit. On pourra avoir une petite baston. Ça sera marrant. Oh il manque plus qu'un, bon pas sérieux. Ah bah tiens, parfait. Voilà, on retourne à la maison. En fait c'est quand le stock est plein qu'il se met dans la main pour taper avec. Mais en temps normaux. Ouais, en temps normaux, et bah non, y a rien. Enfin il se met dans votre inventaire, vous comprenez ce que je veux dire. Oh putain. Non ils viennent ou pas? Ils devraient me voir normalement. Enfin ils sont des fois un peu myopes je trouve. Hein. Ou des fois ils vous voient grave loin, ils commencent à se tracer vers vous en mode déter, tu vois. Mais là avec mes pièges, ils vont rien faire du tout. Ah d'ailleurs vous allez voir les pièges, c'est trop marrant. Ils se font attraper, problème, après il y a un bug.
c'est que quand vous coupez, quand vous essayez de taper le mec et qu'il est pendu, je sais pas si vous peut-être attendre qu'il crève, et bah, il me semble qu'il est délivre, donc en fait, vaut mieux pas attendre, mais il y a un bug qui fait que... Attendez. Putain, il manque encore 5. Qui fait que quand ça les attrape et vous venez couper la corde, j'ai l'impression, et bah la corde ne lâche pas, ça bug et il tourne en rond le mec. Ce qui fait qu'il se fait cramer dans mes feux, donc ça me gêne pas trop, mais ce qui fait qu'après le piège est bugué à mort, ce qui fait qu'il faut relancer la sauvegarde pour que ça marche. Autrement, le jeu est complètement bugué. Merde, ils sont là. Vite, il nous faut du bois. Merde, j'en ai pas assez. Oh, là, je suis bien dans la merde. Vous savez quoi, on va les tuer. Comme ça, ils vont rater de nous faire chier. Après, ils vont peut-être appeler leurs potes, mais on s'en fout. On est des ouf, nous. On nique tout le monde. Alors, on va te mettre juste une bûche. Voilà, t'es content. Maintenant, c'est vrai qu'on est juste un lapin. Donc, j'ai toujours le temps de me casser. Ils m'ont pas repéré, comme vous pouvez voir. Malgré que je sois vraiment très visible. Donc il me faut un lézard, parce qu'il faut que j'ai des réserves de nourriture pour la nuit. Autrement je vais pas tenir et j'ai pas envie de mourir. Je vois pas, c'est bon signe. C'est bon signe ou c'est mauvais signe quand on les voit pas? Parce que c'est bon signe du sens vous êtes tranquille ou c'est mauvais signe du sens ils arrivent. Alors j'y vois même plus. Ce qui fait bien flipper. Ah, j'ai fait un caillou. Bon, c'est pas ça mais il me faut un lézard, bordel. Je sais pas où ils sont. Putain, ça me saoule quand je les vois pas. Où êtes-vous, mes amis les arts? Ah, il y a un oiseau. Qui sert à rien. Pire, j'ai de la... J'ai encore de l'endurance. Pire, je me trace une pointe jusqu'à ma cabane. J'allume tous les feux et je les mets tous. En mode Rambo, je sais pas trop quoi. C'est ceux qui m'intéressent. Ah, un lézard. Oh, parfait. Il y en a un là aussi. Oh, merde. Merde. Merde, ils sont tous partis. Oh, vous avez eu un peu le... Bon, j'avoue, je galère. Bon, où ils sont, là? J'aime pas ça. Et je vous dis vraiment, j'aime pas ça quand je les vois pas, donc on va retourner à la cabane. Il y a que là que je suis vraiment à l'abri. Il y a des feux là-bas, non? Je n'aime pas ça. Puis là, les pièges, même si les feux sont pas allumés, ils se font niquer. Allez, vas-y, passe, passe, tu peux le faire. Putain, saoule. Calix sert à que dalle. Ah oui, oh, j'ai fait un jump de ouf. Alors là nous sommes sur notre superbe passerelle de la mort qui tue. Et on peut voir qu'ils sont toujours là-bas en train de prier. J'aimerais bien qu'ils viennent. Si j'allume les feux, ils devraient venir. Et bon, il manque encore du bois. Donc est-ce que j'ai le temps de couper un arbre? Après il commence à faire nuit. Ça commence à être risqué de se bouger comme un petit con un peu partout. Je sais pas. C'est vraiment risqué là. Le jour où ils vont se décider à bouger leurs fesses. Et bah, je suis sûr que c'est le moment où je suis en train de conclure mon truc. Bon, on y va, on est un peu des fous. De toute façon, faut bien qu'il y ait un peu de... Ah, je devais pas sauvegarder. Bon, on sait qu'on va sauvegarder avant. Parce que j'ai vraiment pas envie de me faire niquer alors que je viens de construire mes passerelles. Donc, on va sauvegarder. Voilà. Comme ceci. Donc là, il fait totalement nuit. Donc là, on a plus le choix, on est tout allumé. Vous avez vu, j'ai rajouté des feux et des effigies, il me semble aussi. J'en ai rajouté. J'en ai fait une, elle est entièrement faite. Elle a bugué, ce qui fait qu'elle a disparu. Donc c'est super. En fait, je l'ai faite entièrement. Mais elle n'était pas, vous savez, comme ça, là. Elle n'était pas en réel, elle est toujours en croquis, en schéma, ouais. Alors que pourtant, je l'avais bien faite, donc un bug, qui m'a malheureusement coûté 3 têtes et quelques membres. Bon, franchement, les membres, vous en avez toujours une tonne. Et par contre, les têtes, je trouve que c'est toujours un peu chiant à les avoir. Bon, des fois, il y a 2 têtes qui tombent quand vous tuez un seul mec. C'est vrai que vous dites que c'est juste un peu bugué, mais bon. Bon allez, passe, allez. Pas le malin, là. Ah, il pleut par contre, alors on va mettre une tonne de feuilles sur celui-là, parce que celui-là est très important comme feu, vous allez le voir lorsqu'ils vont arriver. Il en crame forcément un à tous les coups, c'est presque sûr en fait. Ce qui rase le mur quand ils sortent, ils sont toujours cramés par celui-là. Et franchement, ça c'est le feu qui m'a aidé plusieurs fois. Je lui dois une fière chandelle. Bon, on les alimente beaucoup en feuilles, ils sont très gourmands, et en plus quand il pleut, alors là c'est une catastrophe. Ils s'éteignent toutes les deux secondes, bon, bien mettre de... Faut pas lésiner, ça se dit, ouais, faut pas lésiner sur les moyens de feuilles. On va allumer celui-là, il est toujours inutile, celui-là il sert. Quand je viens là, que je suis en mode galère, et bah je me mets là derrière ce feu et je suis en mode... Et hier je suis tombé sur une meuf, c'était une mutante, mais genre pire que la réalité. Alors je vous explique, elle arrivait vers moi genre normal, et là je mets mon arme comme ça, et en fait, je lui donnais des coups, mais elle s'en foutait, elle continue à avancer. Mais genre, j'ai cru que j'allais vraiment y passer, donc en fin de compte, elle était en face de moi, j'ai commencé à l'enchaîner dans tous les sens. Après elle s'est pris un feu. Et même le feu, ça se faisait normalement quand il crame, il recule. Elle non, elle commençait à avancer encore vers moi. Putain, je me suis dit, c'est la fin, là, elle va me finir, elle. C'est une ouf. Et en fait, bah non.
En fin de compte, je sais pas, il s'est pris un piège, je sais pas trop quoi, puis elle est morte. Bon, où est-ce qu'ils sont mes amis là? J'aime pas quand ils viennent pas, enfin j'ai voilà, j'ai envie de faire un peu de meurtre. Allez, putain, ils sont toujours là-bas. C'est vrai que j'allais les chercher, non? Qui, allez, est-ce que qui est bon, qui est chaud pour que j'aille les chercher? Franchement, là, je vous dis, moi je suis chaud là. Est-ce qu'on y va? Bon, allez, go, j'y vais. Vous êtes tous avec moi? Ouais, on y va avec toi. Allez, j'y vais. Donc on passe par-dessus notre muraille. Voilà, allez, passe, putain. Ah voilà, parfait. Donc là, nous sommes dehors. Alors qu'il pleut. Je suis en tantineux. Putain, il y en a beaucoup. Waouh. Venez les amis. J'ai une fête. J'ai une fête pour vous. Ah, une... ah, il y a des baies. Ah super. Ah, il y en a baies ici, j'ai oublié. Merde, c'est pas bonne. Bon, ok. Venez les amis. Je sais que vous êtes en train de prier pour tous les morts. Ils arrivent. Ah oui, ils arrivent. Oh putain. Là, faut slalomer en fait, hein. La technique, les mecs. Vous avez vu, en fait. Quand vous sentez qu'ils sont derrière vous, un petit slalom. Et du coup, ils tapent dans le vide, c'est con. Là, on fait tac. Là, on arrive. Et là, prenez-vous tous les feux dans la gueule. Ouais, ouais. Merde, c'est moi qui me prends, en fait. Et là, vous allez voir. Ça va être trop marrant. Ah, non. Oh putain, ils arrivent de tous les sens. Et les mecs, cette magnifique, là. Faut vraiment que vous regardiez la vidéo, là. Là, je pense qu'il y aura de l'action, là. Ils sont en groupe, il y en a qui sont arrivés derrière à droite, en face. Bon, en face, ils ont pas l'air décidés à venir. Ah, les effigies se sont éteintes. Non. Faut leur montrer c'est qui le chef ici. Vous avez vu tous ceux que j'ai tués, et encore, il y a plein de membres. Bon, les membres ont disparu avec la sauvegarde, mais il y en avait partout par terre des membres. C'était trop marrant. Normalement, ils vont pas rentrer par là, hein. Enfin, ça serait con parce que tous mes pièges sont là-bas, en fait. Et par contre, le truc qui est super, là, il est en train de s'exciter derrière le mur, c'est que il ne pleut plus. Et là, je suis le chef maintenant. Ah, viens là, putain, viens là, toi. Viens là. Allez, vas-y, viens. Ils sont beaucoup, j'aime ça. Allez maintenant, venez que je vous faire cramer. C'est tellement facile à les tuer. J'ai vous fait le malin. Bon, je ferai peut-être moins le malin quand ils sont là. Mais dans tous les cas, je suis en position. Regardez, ah voilà, lui il est mort là. Il va forcément se faire avoir. Attention, attention. Obligé là, là c'est la zone de la mort là-bas. Bim. Oh genre il est passé à travers le piège. Vous avez vu ou pas? N'importe quoi. Sinon je m'en fous, j'allais les chercher, moi j'ai envie d'en tuer. Viens là. Putain, ils sont beaucoup hein. Ils ont appelé tout le monde hein. Ah. Oh non. Oh. Oh j'ai attrapé, vous avez vu? Ouais. J'en ai un. Bon il est un peu bugué. Voilà. Mais bon on va le laisser là. C'est marrant. Donc là si je le tape, vous allez voir. Il va tomber par terre. Ensuite il va courir. Et il va se faire cramer par le feu. Regardez. Tac. Regardez. Regarde ce qui va se passer. Là il est, voilà, là, il est accroché à la ficelle. Et il tourne en rond. Il a pas le choix en fait. Il est accroché. Et ensuite il va se faire cramer par un feu normalement. Oula putain il est loin là. Bon dans tous les cas il est accroché, je m'en bats les couilles. Merde. Il est perdant dans tous les cas, il est perdant. Alors il est sur la passerelle. Bon lui là, putain c'est pas très marrant, je pensais y avoir plus d'action que ça. Hein. Je m'ennuie un petit peu là. Ah celui avec les bras, je l'aime bien lui. C'est mon copain. Avec les bras dans le dos là. Ah ils partent, non mais ils sont sérieux là. Ouais je vais les chercher eux. Hein. Merde j'ai plus beaucoup d'énergie. Ah ils viennent, c'est bon. On retourne à la maison. On retourne à la maison. Yeah yeah yeah. Yeah. Oh yeah. Oh. Oh qu'est-ce qu'il fait lui? Il est dans. Il est dans ma passerelle. Eh, hey, hey, tu fais le malin toi, c'est ça? Je crois que t'es plus fort que les autres. Je crois que tu vas squatter ma passerelle. C'est qui le maître? Ah vas-y taille-toi. Ouais. Je préfère. Il est bloqué en plus. Gros con. Fais la maline. T'es bloqué maintenant. Si j'aurais un cocktail, je te jure que tu serais passé là. T'as de la chance. Oui, t'as de la chance, toi. Hein. Honnêtement, t'as de la chance. T'es bloqué en plus. Eh, c'est bon, je vais le finir là. Oh, ouais, c'est bon, il est mort. Bon, il est toujours vivant. Ah, vas-y, viens là, toi, viens là. Ah, il est cramé. Voilà, j'en ai plein avec le feu magique que je vous avais dit. Le feu vraiment porte-bonheur. Tiens, qu'est-ce que tu fais, toi? Oula. Allez vas-y viens je t'attends là. Putain ils sont beaucoup là. Mes feux sont toujours allumés. Donc normalement ils vont se faire avoir. Là il y a un petit problème de. Lui il a toujours. Ah il s'est fait cramer, voilà, donc lui il est mort, c'est bon. Ah il est. Et il y a toujours un qui est en bas en train de suffoquer. Ouais, genre il est pas dans le piège là. Va dans le piège. Voilà, c'est bon, j'en attrape un autre. Celui avec les bras en plus. Là c'est épique. C'est la première fois que j'en attrape un comme ça dans un piège. Je suis content de moi. Donc là, vous pouvez voir, c'est assez marrant, j'en ai fait pas mal déjà. L'un qui est là, il est toujours vivant, lui. Donc j'attends qu'il sorte. On va pas le plus maintenant, c'est plutôt marrant.
Tiens, toi. On va laisser pendu, mais c'est plutôt marrant que c'est pas dans le dos. On rigole bien. Lui, on va essayer de le tuer quand même. Putain, j'arrive pas à le voir, fait chier. C'est-à-dire qu'il va se réveiller, il va être bloqué sous mon truc. Et il est toujours vivant là. Il attend que quelqu'un vienne le soigner ou je sais pas trop quoi. Ah, mon fusil s'éteint, bordel. Alors en plus j'avais la puissance du feu toi hein. Et casse toi là. Je vais te faire cramer couillonne. D'ailleurs en fait quand je les touche pas et qu'ils sont accrochés ils peuvent rien me faire. Ils sont peut-être en train de se vider de mon sang, je sais pas trop quoi, on va bien regarder combien de temps ça dure. Ah mais ces figies se sont éteintes. Mauvaise nouvelle. Il faut toujours qu'elles soient allumées. Ça aide à leur faire peur, à leur dire c'est. Voilà tu vois. Qu'ils comprennent un peu c'est quoi la hiérarchie. Il s'est réveillé l'autre en dessous là ou pas là, il est toujours en train de mourir. En dessous de ma terrasse. Ma terrasse surélevée, je sais pas pourquoi. Bon toi genre, tu commences à me péter les couilles là. T'as de la chance que tu sois en dessous de ma terrasse, sinon tu serais déjà mort depuis longtemps. Vers le bas, vers le bas. Ah oui. Oh merde, il s'est réveillé sans clé. Ok, il essaie de partir. Mais t'as pas compris que t'étais chez moi. Bon les feux, arrêtez de vous éteindre là, c'est pas marrant. Ah il y a une fille. Ah je l'ai pas vu en plus. Ah c'est trop beau, faut que je prenne une photo mec. F10, attendez, vous allez voir. Alors attention, on se rapproche d'ici. Et là on fait. Il y a le couple en plus. F10. Merci pour la photo. Donc on l'a laissé pendu, hein, j'aime bien. Toi t'es mort, toi, t'aurais pas dû partir comme ça. Eh viens là, viens là, viens là. Voilà, t'es mort. En plus t'enculé, t'as vu un peu. Mais attends, il est vraiment bugué hein. Ah oui il a, non il est pas sorti encore. Oh genre putain, où est-ce qu'il est. Ah ah, oh il est sorti lol. Oh il y en a, oh ils sont échappés. Oh merde, oh merde, ils sont échappés ces enculés. Oh non, fait chier. Il y en a qui tournent là. Non, le fil est en train de bugger en fait. Le mec faut vraiment arranger le problème des pièges. Hein. Tout en position défense. Alors lui il est bugué. Bon après il n'y en a plus aucun. Donc... Oh merde, bah ok il a disparu, super. Ah non. Y a-t-il des amis à toi dans le coin? Attends, on dirait il fait genre... Attendez, on va prendre une photo là aussi. Avec le soleil derrière, c'est trop beau là. Il y a le cliché là. Sion, F10, cheese, merci à toi, jeune ami. Je sais pas si je prends des photos en même temps que je filme, on verra bien. Ça me saoule un peu. Même si je veux cadre assez... Oh putain, c'est beau ça. Vous avez vu un peu? Là, il y a de l'art là. F10, putain ça vaut de l'argent les mecs. Oh oui, bon bah voilà, il est fini. Bon, ces membres ne me servent à rien parce que je n'ai pas assez. On va faire une petite baignade. On se nettoie parce qu'on est plein de sang de la vie. Et ce qui est trop bien par contre, vous allez voir, je vais vous montrer. Vous prenez une jambe. Et les mecs, ça c'est la vie. Pour avoir des feuilles, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça coupe tout en même temps, c'est putain de puissant pour les feuilles. Vous avez vu un peu? Vous faites des tonnes de feuilles avec ça. Ça coupe tout. C'est même mieux que... Oh, ils arrivent. Vous avez vu quoi, c'est un groupe. Ils doivent pas aimer que je suis en train de jouer avec un membre. Eh mec, vous avez vu un peu, je joue avec un de vos congénères. C'est trop marrant. Je coupe des feuilles. Vous avez vu un peu, c'est trop efficace. Oh, regardez mon nombre de feuilles, vite fait, ils sont beaucoup là. Vous voyez, 256, c'est putain d'efficace. Bon, on va lâcher la jambe. On la achète. Putain, ils sont plus là. Ils sont là. Et on va rallumer tous les feux. Sachant que mes trois pièges qui sont buggés à mort. Et Fiji, allumez-vous vite. J'ai encore oublié de mettre le chronomètre. Putain, fais chier. Je saurais jamais à combien on est de vidéos. Bon, je vais bien voir. Hein. Quand on voit que ça commence à faire long, on va arrêter. Et ils viennent pas, ces enculés. Ils vont peut-être méditer sur un décor. Il faut que je rallume tous les feux. Oh yeah, oh yeah. C'est bon, je cours. Hein. Allez, vas-y, venez là. Je vous attends, les mecs. Allez, viens là, toi. Avec ton crâne là, je sens que t'es le chef. Bim, j'ai donné le premier coup.
Fais le malin. Merde, je suis bloqué, merde. Ah oui, il s'est fait cramer. Un en moins, parfait. Voilà. Vous avez dit le feu. Vous avez dit le feu, c'est le feu, mais genre de ouf. C'est le feu qu'il faut avoir. Mettez-en à côté de votre porte, je suis sûr qu'il va payer, vous allez voir. Ah il se barre, non. Partez pas, s'il vous plaît. Ah, je lui ai aucune nourriture, on va se faire un petit truc à bouffer. Je commence à avoir faim là. On va allumer ces feux là. Il pleut. Dès qu'ils arrivent, à chaque fois il pleut, vous savez, ce que la pluie ça les aide, du coup les feux s'éteignent. Et moi les mecs, j'ai pas besoin de feu pour vous avoir, ça que vous savez pas. Je suis un tueur de zombies, pas de zombies, je suis un tueur de mutants. Enfin, pas de mutants, je suis un tueur de indigènes. Alors on fait I, on va prendre le lézard. Et on le fait cuire. Ah mon feu s'est éteint. C'est gentil. Cook. Et là faut l'alimenter, parce qu'autrement il va se rééteindre. Et ma viande ne cuira jamais. Qu'est-ce que tu veux toi? T'as vu que ton pote il est mort, tu devrais partir à ta place. Moi je partirai. Va chercher tes potes si tu veux. Plus il y en a, mieux c'est. Comme ça je pourrais me faire une grande effigie. Putain, j'ai encore une jambe sur moi, putain, fais chier. J'aime pas avoir des membres à eux. Oh c'est dégueulasse. Bon maintenant il est à côté de mon feu où je fais cuire mon lézard. Pas très grave. Il s'est pas éteint mon feu là. Ah, hit. Ah ah. Comment les mecs, je suis prêt là. Je suis prêt pour la baston maintenant. Allez voir un peu c'est qui le boss. Moi j'en ai marre qu'on vienne sur mon territoire. C'est qui le papa? C'est qui? Attendez, j'aime juste les effigies. Allez viens là toi, viens là, fais le malin. Vous allez voir quand mon feu il s'allume, tu feras moins malin. Voilà, et bim. Ah, deux. Oh oui, combo. J'ai fait une double. Ah normalement j'ai assez pour faire une effigie à trois têtes là. Je sais pas où est-ce qu'on peut la mettre. Ah il y en a aussi un cadavre ici. Attendez, il y en a un là, il y en a deux là. Attendez, on va voir. Il y en a deux là, il y en a un autre là. Bah, là c'est bon les mecs, là on fait l'effigie à trois têtes. Donc on va faire B. On va aller sur la celle qui est barrée et on va prendre l'effigie à trois têtes. Et on va la mettre. Je sais pas, faut... Ah tiens, je voulais la mettre là. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'éclairage dans ce point là. Là il y en a, vous voyez, il y en a trois ici. Parfait, et on va mettre une là-bas. C'est là que j'ai toujours voulu en mettre une, sauf qu'elle avait bugué la précédente, comme vous l'avez dit. Voilà, on va la mettre ici, je pense. Ici. Parfait. Voilà, donc il manque plus de 3 têtes et 2 jambes. Le truc bien facile à avoir. Alors, on va voir où est-ce qu'ils sont nos amis. Tiens, toi. Tu seras ma première tête. Une tête. Il faut des jambes. Ah bah tiens, là, il y a tout ce qu'il me faut. Jambes, pierre, jambes. Une main, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est vraiment une main? Parce que des fois, il y a marqué main. Ah, c'est une main, là. Bon, on teste, au pire, on verra bien. Alors. Où es-tu mon effigie? Voilà. Alors il manque une jambe et une tête. Bon, c'est bon. Normalement j'ai le total. Enfin j'ai tout ce qu'il me faut. Ah la tête ne part pas non plus. Une jambe et une tête. Bon du coup il va me rester encore des cadavres. Pas très grave. C'est pas ce bruit hein. Ah il me manque encore une tête. Attendez. Mais putain, je veux pas de ton bras, fais chier. On peut se... Oh trop bien. Stylé. Et on va chercher la dernière tête. On regarde s'ils sont pas là. Ils aiment bien faire des attaques surprises. Là je leur ai trop fait peur la nuit dernière. Là ils ont cru qu'ils avaient tous y passer. Mais j'en tue vraiment beaucoup. Et à ce qui paraît ils disparaissent. Enfin il y en a plus une fois que vous avez tous tué. Enfin ce qui paraît logique mais enfin, c'est bizarre en fait. Parce que le jeu sans eux bah ça devient un jeu plutôt normal. Vous construisez votre camp. Bon ça pourrait être bien d'un côté où on pourrait vraiment faire tout ce qu'on veut. Être tranquille. Et de l'autre côté, je sais pas. Enfin, ça serait vraiment bizarre d'être tout seul, de plus avoir le stress des méchants. Voilà, donc c'est bon. On a des feux partout. Je suis content. Maintenant, on a plus qu'à aller couper du bois pour refaire les stocks. Et je vous reprends une fois que j'aurai fait tous les stocks. Donc là, on va juste faire une petite baignade. Pas encore un peu bugué, mais bon. Voilà, donc je vous reprends dès que j'ai mon stock de bois et qu'on peut continuer les constructions. Allez, à tout de suite. Heureux à tous. Donc, j'ai rempli 2 bacs de bois sur 3. Là je vois qu'il commence à rôder autour de chez moi, donc je vais simplement vous montrer les bacs. Et franchement je vous conseille d'en faire, c'est vraiment une très bonne astuce pour avoir du bois en temps de crise j'ai envie de dire. Donc là vous pouvez voir que j'en ai 2 sur 3 qui sont remplis au maximum. J'ai coupé il me semble un grand arbre et 2 petits arbres. Et donc là je m'apprêtais à construire quelque chose mais je vois qu'il commence à rôder donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je comptais faire des pièges supplémentaires car je trouve que les pièges c'est vraiment utile. Je comptais faire d'autres styles donc je vais les faire avec vous. Donc on va aller dans l'inventaire vu que j'ai pas mal de bois ça pourrait être utile.
Voilà, donc Happy Birthday Trap, il me semble que ça marche pas énormément. On pourrait quand même essayer. Donc on va le faire, on va prendre, voilà. Donc ça se déclenche du côté où il y a le bout de bois. Je vais la déclencher de l'autre côté, ouais, de l'extérieur. Mais je sais pas en fait, parce que du coup s'il rentre, en voulant sortir, il se fera embrocher. Et vu que la plupart du temps quand ils sortent à reculons, du coup il marche plus lentement, il y a plus de chances que ça marche. Du coup je vais le faire, je vais faire le système. Ah non, ça se déclenche de ce côté-là ou pas? Putain, je sais pas. Bon, du coup on va la mettre comme ça, si c'est de ce sens-là j'espère, autrement de toute façon on verra bien. Donc je vais la mettre juste devant la porte. Voilà, donc en plein milieu. On va... Voilà, donc ici par exemple, comme ceci. Je pense que c'est bon, voilà, donc on la place. J'ai pris pas mal de brindilles, j'espère que... Non, j'en aurai jamais assez des brindilles. Il va me manquer, ouais, ok, super. Donc par contre des troncs j'en ai, donc on va pouvoir commencer à les mettre. Donc on va les chercher. Les personnes à ce que je vois, donc on va les prendre. Donc on va déjà entamer nos réserves. Les réserves qui vont pas tenir très longtemps. Voilà. Bon, il restera toujours un bac et demi. Ça va. À peu près un bac et demi. Je vais tester celle-là. J'ai jamais testé encore. Faut bien le faire un jour. Hein. Voilà. Donc on va prendre d'autres troncs. J'espère que ça vous plaît, la série, je commence. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde pour l'instant, j'espère quand même que ça plaît à ceux qui regardent. Ce serait bien. Bon, dans tous les cas, moi ça m'amuse de le faire, mais... Et bon, autrement, je ne me mettrais pas à uploader la vidéo sur YouTube, surtout que j'ai une connexion de merde, alors vous voyez un peu le délire. Ah non, il manque que des brindilles, donc j'ai plus qu'à aller chercher. J'espère vraiment que ça se déclenche. Normalement, ça se déclenche quand on passe là. Tac, et ensuite ça... Ouais, c'est ça. Ou peut-être là-bas, la barre. Enfin, franchement, je sais pas, on verra bien. Donc, on va juste prendre la lampe torche, mais tu sais qu'on se fait repérer, on voit un peu mieux comme ça. Ça fait un peu genre Slender avec la torche. Par contre, il m'en faut 9, ce qui est un peu chiant, du coup je vais devoir faire 2 allers-retours. Ça pète un peu les couilles ça. Doucement. Voilà, donc on va ici. Toi tu me sens mettre bien. Allez. Ok, super, on va pas se casser. Toi aussi tu veux pas te casser, mais j'ai de la chance aujourd'hui. Toi, je te sens bien toi. Oh, vous avez vu un peu? Merde. S'il te plaît, il me manque quelques... Voilà, parfait. Tac. Tac. Mais vas-y, est-ce que je t'ai dit même que je voulais un bâton? Ah, je vois plus dalle. C'est là qu'on commence gentiment à flipper, un tout petit peu. Voilà, on a du bois. Putain, super, le bois il est parti en plus du rocher. Quelque chose de très utile encore une fois. On a du bois. Putain, je vois vraiment que dalle. J'espère vraiment qu'ils vont pas m'attaquer ces enculés. Ils seraient bien capables de m'attaquer, tu vois, quand je suis bien vulnérable là. Je crois que j'ai un petit peu d'endurance, donc s'ils me tapent, ça va pas me faire mal tout de suite, mais c'est pas super. Tiens, toi là. Il y a des trucs par terre, c'est quoi? Fourmilière. Ok, donc je suis au max de ma cape. Oui, j'en ai 8. Voilà, parfait. Il m'en manquera plus qu'un, super. Ce qui me pète bien les couilles de devoir tout refaire le chemin. Je commence à avoir froid. J'ai aucune torche qui est allumée, je vois rien. Vous voyez, le fil il est en bug, vous avez vu, il est juste devant moi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça me donne une idée d'où ils sont, vu qu'ils m'indiquent la position. Donc ils doivent être là-bas normalement. Ils vont pas tarder à venir dans tous les cas. Merde. T'es con toi. Il m'en manque 2. Alors. Putain, je vois vraiment que dalle, je dois rallumer les effigies. Ça devient critique. Voilà, on les allume toutes. Les feux, on va attendre un peu. Tant qu'ils sont pas là, ça sert à rien de commencer à tout allumer. Voilà. Ah, quoique, je vois vraiment que dalle, donc on va les allumer. Ah, celui là-bas est très important, on va l'allumer, vous avez dit. C'est lui qui les tue pratiquement tous en fait, hein. Dès qu'ils veulent sortir, ils se font niquer. Là du coup il y aura aussi la trappe là. Ah ils sont là, vous avez vu, il y a des lumières. Ah, super. Ah mais c'est là que je dois tenter une mission commando, j'ai pas le choix. Hein. Il faut absolument mon bout de bois, ça me saoulerait vraiment de passer la nuit sans avoir ma trappe.
On va partir vers là-bas, on va se cacher un peu, on va essayer d'en trouver une et on revient. Deux. Ils sont en train de prier, je sais pas ce qu'ils font, putain, je suis... Les mecs, je veux pas de mal, il me faut juste deux brindilles. Quand ils ont une lumière, ils sont un peu cramés, du coup c'est pas mal. Tiens, toi tu me plais bien comme brindille. Super, je vais pas te casser. Voilà, parfait, j'en ai deux. Tac. J'en ai deux là. Voilà, parfait. On retourne à la maison. Il m'a même pas vu en plus l'autre con là. Bon, on retourne à la maison quand même. Tiens, on va prendre aussi deux troncs parce qu'il faut qu'on finisse la passerelle. Là, j'en ai une que j'ai mise en plan. T'arrêtes de t'essouffler, tu me saoules. Et du coup, il faut que la finisse, donc on va pas. Voilà. On perd pas notre temps. On prend des troncs avec. Il me semble qu'ils sont deux ou trois max. Tiens, ils sont. Bon, des fois, ils sont genre une dizaine. Mais bon, faut pas y penser. Tiens, toi, on va te mettre deux troncs. Il me manque trois. Toi, on va te mettre des trucs. Mais genre il m'en manque une et j'en avais pris deux. Putain, fais chier. Ça me pète les couilles. Puis je commence à avoir froid là. Et j'ai pas faim, ça c'est bien. Je sais pas si ils doivent être en train de mettre une effigie ou en train de prier. Enfin je sais pas, ils ont peut-être des dieux. Avant c'était des hommes normaux, donc c'est ça qui est bizarre qu'ils aient pu tomber aussi bas. Enfin qu'ils mangent. Enfin je sais même pas si nous... Enfin, si nous bouffent, la preuve, quand on est dans la caverne, on voit il y a une hache et un cadavre et tout. Normalement j'en ai assez là. Donc là du coup je vais pouvoir finir la passerelle vu qu'ils sont occupés à je sais pas quoi faire. Dans la nuit on travaille par tous les temps. Tout va bien. Ce n'est qu'un faux jeu, ce n'est pas la réalité. Il ne faut pas stresser. Bon bah ils sont pas décidés à venir me voir. De toute façon je vais aller les chercher une fois que j'aurai mangé un petit coup pour avoir ma barre. J'irai les chercher et puis voilà. Ce sera un peu plus marrant. Parce que là à part avec sa lampe sur le crâne là il me fait un peu chier. Enfin quoi que je sais où est-ce qu'ils sont donc c'est plutôt pas mal. Du coup mais voilà ça me saute quand même. Toi on va te finir la matrape. Parfait. Donc, je vois que dalle. Super. Ah, super j'ai assez de rondins. Parfait. Toi on va t'allumer. Il fait nuit. Un truc de ouf. Je pourrais mettre une torche ici juste pour les cramer quand ils passent. Ça serait plutôt utile. Mes pièges sont toujours buggés donc ils servent à rien. Ils sont inutilisables. Là on met une tonne de feuilles pour bien qu'il reste allumé le feu. On va t'allumer aussi. C'est bien que les effigies c'est que tu les allumes une fois et qu'après ils te font pas chier à te demander les feux que tu te demandes. On va te mettre un feu là aussi. Normalement il devrait avoir la lumière là, il devrait venir. Ma trappe SD. Ah ok donc elle se déclenche de l'autre côté ça veut dire. Quand tu vois c'est enfin je pense ouais c'est ça ok donc bon bah j'ai mis du mauvais côté bon on verra bien de toute façon ça... dans tous les cas ça va être marrant. Je vais mettre aussi une effigie là vers ici comme ça je verrai un peu mieux. Enfin quoi que les feux éclairent super bien donc... mais bon les effigies demandent moins d'entretien ça c'est sûr. Bon aussi allumer celle là ça fait longtemps qu'elle a pas marché. Alors vous vous dites seulement comment ça brûle parce qu'il y a trois bâtons qui sont ensemble ok mais normalement il faut savoir un truc au milieu genre Si ça serait réel, il faudrait genre mettre un truc à chaque fois, enfin pour l'alimenter le feu, vous vous prenez. Parce que là du coup, il y a la torche qui brûle dans le vide. Ok, elles sont éteintes. Enfin, je ne sais même pas si je les ai allumées d'ailleurs. Avec une tonne de feu. Ah, on m'appelle. Malheureusement, je ne peux pas te répondre, mon bonhomme. Je sais c'est qui en plus, mais je peux pas te répondre, désolé. Je suis en pleine vidéo, ça risque d'être compliqué, voilà. Donc je pense que la vidéo va bientôt se finir, on va juste faire un dernier carnage. Alors on va essayer de les attirer bien sûr. Toi on va t'allumer. Ah ils sont pas partis quand même. Au pire on finira sur... Ah ils sont toujours là. Bon on va les chercher. Ah non faut que je mange. On va manger un petit coup avant. Le problème c'est que là j'entends plus rien du coup. On va faire allumer notre feu et puis on va manger un coup et puis après on va les chercher. Pour finir la vidéo en beauté faut bien qu'on tue quelques monstres. Enfin quelques monstres, c'est pas des monstres. Tiens, ça peut nous, viens là. Putain merde, j'ai même plus de lézard du coup, j'avais complètement zappé. Quand je vais revenir à ma sauvegarde là, j'ai bien galéré, j'aurai rien à bouffer. Ça c'est qu'il faut jamais faire mais bon, on verra bien. Allez, plus vite, on va augmenter un peu le son. Voilà, ce que j'aime pas entendre les bruits. Comment il y a les bruits, on sait quand ils sont là, ils commencent à crier. Allez, allez. Bah dis donc, il est un peu long à cuire.
ils arrivent, non? Peut-être pas besoin d'aller les chercher en fin de compte. Allez, allez, allez. Allez. Ah mais je vais manger, putain, je suis trop con moi. Je suis en train de m'acharner sur... Bon, on aime juste bien les feux, comme ça quand on revient, ils vont tous se faire cramer et puis on y go. Attends, t'allumes parce que ça t'es très importante. Enfin, très important comme feu. Allez, go, on y va. Je vais bien regarder ce qu'ils font comme ça, parce que ça me saoule un peu. Ah non, ils ont des... Bah alors les mecs, vous avez besoin d'aide? Bon, ça décide à venir en avis. Ah oui, putain, oula, il a fait un saut. La, 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 la. On fait des slaloms. Prenez-vous la trappe. Rentrez dans ma cabane. Oh, genre il est passé lui. Vas-y, vas-y, fais-toi voir, fais-toi voir. Oh, 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 oh. Ah oui, je suis con, c'est du mauvais sens. Ok, bon bah... Ok, ok, ça marche pas. Enfin, en tout cas, ça... Et du coup, ils peuvent passer ou pas, là, quand même ça, un... Ah, ok, c'est des blocs. C'était comme une porte. Du coup, je peux passer que par là, maintenant. Bon bah, super, mon piège de la mort qui tue n'a rien donné. Ouais. Bon, j'aimerais bien qu'ils viennent, quand même, là, un peu d'action, les mecs. Putain, je suis en pleine vidéo, là. Ah, y'en a... Oula, oula. Pourquoi tu fais malin? Pourquoi tu fais malin? Je vais te faire, ouais. Oula. Oula. On va juste un petit peu, voilà. Tranquille. Et ils sont sérieux, là? Putain, les mecs, je suis en vidéo, je vous l'ai dit. Ils étaient censés attaquer, là. Autrement. Ah, il court. Allez, tape. Non, je tape. Voilà, c'est qui le chef? Moi mec, tu passeras pas, ok, c'est ma porte. Genre un cocktail, mais je me suis fait plaisir. Ok, t'as la foi. Tu vas te prendre un coup de hache, mais tu vas rien comprendre toi. Voilà, je te l'avais dit. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, parce qu'ils sont pas décidés à venir m'embêter. Et du coup on va mettre les... Oh, ah ok, mais ils peuvent pas passer du coup, c'est super. Du coup je vais en mettre des feux devant pour bien les cramer. Ah ouais, ça c'est une bête idée. Attendez, je sais pas si j'ai assez de trucs pour faire un feu. Ah, il s'est fait cramer du coup. Eh mais c'est trop bien. En fait ce piège est utile et on ne l'étend pas. C'est tout marrant. Putain merde, est-ce qu'il y en a un tout là? C'est bon. Pourquoi le foutre là le deuxième feu? Ici. Faut quand même qu'on puisse passer donc Ah donc on va le foutre ici, parfait. Oh, il manque deux brindilles. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, sur ce, je vous dis qu'on va arrêter la vidéo. Ils sont partis. Donc non, allez, on va chercher les brindilles pour le feu quand même. Je vais pas vous laisser avec un doute pareil là. Vous vous direz, mais est-ce que le feu va être fini ou pas? Non, je vais pas vous faire ça quand même. Je suis tellement gentil que je vais aller avec vous. C'est vrai que je puisse trouver quelque chose à bouffer, donc on va aussi prendre la lampe. On fout un lézard ou une bestiole. Parce que là, je vais bientôt commencer à crever la dalle. Le mieux c'est quand ils montent sur un arbre. Alors là, c'est super facile à les tuer. Ils sont un peu cons d'ailleurs. Oh merde. Oh putain. Toi, t'aurais jamais dû venir. Oh genre, elle s'est téléportée. What the fuck. Bon, est-ce qu'ils sont mes bâtons? Ah voilà. Alors l'autre... Elle a essayé genre de me niquer, mais en fait, celle qui s'est fait niquer. Ah, peut-être elle est morte. Attendez. Ton cadavre est-il là? Ah, un bâton. Super. Ton cadavre est-il là? Ah, un bâton. Non, on rigole. Une pierre. Bon, on lui fait des petites réserves de bois, du coup. On est toujours en position défense. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans cette forêt obscure. Ah, des feuilles. Des feuilles. Ah, j'ai toujours pas sauvegardé, je suis un peu con. Là, ils sont là en plus. Putain. Ah, les mecs. Ah, j'ai toujours rien à bouffer, mais c'est pas grave. Oh putain. Oh putain. Oh, ils arrivent. Super, ils arrivent quand il fait jour. Les mecs, je vous avoue que quand il fait jour, je
suis un Rambo maintenant. Vous me faites plus du tout peur. Ça... Ok. Bah, tout de même... Toi, voilà, viens à toi. Je veux que le feu soit. Du coup, si c'était passé par les côtés du piège, vous voyez, bah, ils se font niquer. Et voilà. Et voilà, les mecs, vous avez vu un peu la technique. Tac, tac, tac. Allez, allume-toi, allez. Bon. Oui, ils viennent au moins ou pas? Parce que j'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Putain, je suis un peu bugué, là. Ouais, les PJ. Tu es beau, toi. Même s'ils sont pas cramés par les effigies, c'est vraiment dommage. Ça aurait été super marrant que genre parce que du coup j'en foutrais partout. Allez, c'est bon là, mec, je suis chaud là. Est-ce qu'on va aller chez... Ouh putain, oula, oula, oula. Il y a toute la bande qui arrive. De tous les sens. Bah du coup on va pas couper maintenant, ça devient intéressant pour vous, pour moi, pour tout le monde. C'est un grand moment que nous vivons maintenant. Ils vont tous se faire cramer par mes feux. Ok, il y en a un qui s'est éteint. Pas que tu t'éteignes, je t'ai dit quoi à la répétition, tu dois rester allumé pour m'aider. On va pas faire gramer le petit oiseau. Ah, il va se faire gramer lui, regardez, 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 regardez. Et bim. Ah là, je me sens puissant quand ça arrive ça. Attendez, attendez, attendez. Il a vraiment la foi lui. Hein. Qu'est-ce que je t'ai dit toi? Qu'est-ce que... Ah, non, on tape à travers. Putain, en fait, ça, je vais en foutre aussi une là-bas. C'est genre grave utile. Ah, regarde, lui aussi va se faire cramer avec un peu de chance. Ah, c'est un putain de carnage. Eh, c'est trop bien. C'est grave bien, putain. Eh, il éteint mon feu, cet enculé. Une fois, une fois. Oh, elle aussi, elle s'est fait cramer. Putain, vous avez vu un peu le combo que j'ai fait, là? Bon, putain, vous allez vous casser, là. Ah, je peux cramer. Oui, je les ai tous cramés. Eh, on finit super bien la vidéo. C'était un putain de carnage de ouf, là. Je les ai tous tués, mais genre, grave facilement, en plus. Il va bientôt tomber, lui, par terre, comme une merde. Allez, tombe. Prends une petite photo. Cheese. Vraiment, ça a marché, j'espère. Putain, pourquoi il s'éteigne? Allumez-vous. Mais toi, genre, t'es pas mort. Franchement, est-ce que tu fais le malin, là? Ose me dire tu fais pas malin. Je vais venir te tuer, là. Je rigole pas, je vais venir te tuer. Tu n'aurais pas dû. Tu me cherches. Regarde s'il y a personne. Ah. Ah. Putain, ok, je t'ai dans le vide. Va te faire cramer, ce culé. Oh, il est par terre. Oh, le petit, il est tout paniqué. Ah, 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 on est des tueurs, nous, on est des tueurs. À côté, vous me faites pas peur. Et il tomberait comme une merde. Hein. Et voilà. On va tous les écarter en plein de morceaux. C'est mieux. Ah, oui. Bon, je vais pas faire une autre effigie, hein. Je me sens bien. J'en ai déjà tué assez aujourd'hui. Toi, toi, pourquoi tu fais la maline? Pas beau tout ça, ce sang, tous ces cadavres. Et oui, et moi vous avez vu un peu. Oula, voilà, je gère. On avait en foutu une ici, un feu ici. Une effigie, j'en ai assez, je pense, hein, des effigies. Je pourrais en mettre une là-bas. Moi, ça m'intéresse pas trop. On en a déjà assez, on est bien chargé. Après, je pourrais mettre des gardens un peu partout. Des small gardens là, je sais pas. Pour faire mes propres plantations et tout ce qui va avec. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gens. Malgré qu'ils reviennent à la chasse, mais bon, ils me font tellement plus peur. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et allez, à bientôt.